Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer aujourd'hui à Racing Simulation 3, sorti en 2003 sur PlayStation 2 et sur PC. Donc on va faire start. Alors, on va faire un joueur. On va charger la partie. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que il y a un mode permis. Comme dans Gran Turismo 1, 2, 3, 4, et peut-être même les Forza. J'ai jamais joué à Forza, donc je ne saurais pas vous dire. Moment incroyable, il n'a pas joué à Forza. Non, mais sans rire. Il y a donc un stage de pilotage à faire, si vous voulez donc débloquer ces menus-là, qui sont la course complète, le mode championnat, le mode scénario et le mode dépassement. Et ben, je peux vous dire que ce stage de pilotage en termes de difficulté, oh my god. Alors, pas tellement oh my god dans le sens c'est très difficile, etc. C'est juste que le jeu est ultra rigide. Je vais vous montrer par exemple un petit passage, et après on va tester les deux dernières deux derniers trucs à valider. En gros, j'ai fait le truc avant, sinon la vidéo on était déjà à 35 minutes, on avait à peine fait les deux tiers, donc je vous épargne ça. Donc on a quelques équipes qui sont totalement factices, qui sont basées sur le même modèle 3D, comme vous pouvez vous en rendre compte au fur et à mesure, voilà. Donc on a on a par exemple l'Evolution Izuyato Power, on a la Galileo Ital KW, la Elite Turbomech et sa consoeur Jarvis Turbomech, Watson Yamuki Motor, la Douglas Rotec, la Jackson DNZ Engine, Izuyato Power. Izuyato, je pense que c'est des. Oui, c'est des. Izuyato, c'est. En fait, on a le motoriste en bas et au-dessus, on a l'équipe. Je comprends. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, ce qui est intéressant et à la fois drôle, c'est quand vous allez dessus, voilà, vous avez des photos de gens random. Alors quelque chose me dit que ce sont les développeurs qui ont mis leur tronche, j'en mettrai ma main coupée, parce que si c'est pas le cas, je ne connais absolument pas ces gens. Et on remarque d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que voilà, c'est la même, c'est juste une photo qui a été imprimée et posée sur une combinaison. Et ça se voit direct à ce niveau-là. Alors, si vous êtes un tant soit peu connaisseur de Formule 1, vous allez voir l'allusion. Là, par exemple, Paolo D'Azzaro, c'est Pedro Diniz et Mika Salo. Eh oui, c'est Ina Rose, tout simplement. Chez Blue Line, on a Pietro Del Tura et John Van Osten. Alors, je dirais bien que c'est Pedro De La Rosa et Jos Verstappen. Là, il ressemble un tout petit peu à Quinn McRae, lui. C'est quand même bizarre. Ensuite, on a Mauricio Gomez et Gabi Vinasquez. Alors, Argentin, Espagnol. À mon avis, Gabi Menasquez, peut-être Tarso Marquez ou Gaston Mazzacane, mais je pense que c'est plutôt Gaston Mazzacane. Et d'ailleurs, on remarque sur la voiture qu'ils ont quasiment pas de points, donc je pense que c'est peut-être Minardi. Eux, on dirait Pacifique, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Ouais, c'est Julien Villeneuve et Ralph Zamora, donc c'est Ricardo Zonta et Jacques Villeneuve. Faut aller loin pour les retrouver. Mais ce qui m'a fait dire que c'était vraiment des pilotes, des noms de pilotes modifiés, c'est sûrement le Julien Villeur, quoi. Franchement, ça m'a trop fait penser à ça. Alors, de là à dire qu'on a la saison 99, on est quand même pas loin. De la Rosa, mais De la Rosa c'est Charles Rose, donc c'est un petit peu bizarre. Au 98 non plus, 2000 peut-être. On va aller voir par exemple chez McLaren. On a Melvin Ikonen qui ressort Mika Hakkinen et David Chamber pour David Coulthard. On va prendre d'ailleurs une des courses comme ça. Donc on a toutes ces étapes et il va falloir arriver jusqu'à la 7ème pour enfin débloquer notre menu du jeu. Alors ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer une étape sur laquelle j'ai galéré mais d'une force, vous imaginez même pas. C'est celui-là. On voit mon record 19.433 arriver 20 secondes. On va découvrir le jeu ensemble donc. Vous allez voir que les changements sont plutôt corrects. L'introduction elle est géniale, sans déconner. Bon, ils ont mis des filles évidemment, hein, ça fait toujours plus vendre. Mais bon. Donc là, mon but c'est de réussir à franchir la ligne au bout de 20 secondes. Donc il faut que je dépasse cette voiture devant sans ne serait-ce que, comme là à ce moment-là, l'effleurer, la toucher, lui faire un petit courant d'air parce que sinon j'ai perdu. Donc on va recommencer un petit peu, on va faire 2-3 tentatives, je me suis repris à 100 fois. On a plusieurs vues, vous l'aurez compris, voilà, j'aime bien cette vue, qui pour moi est la plus réaliste du jeu, et ma foi, plutôt bien réalisée. Bon bah là je suis sorti trop large, donc évidemment j'ai pas réussi, on va faire recommencer à nouveau.
On a un petit drapeau jaune, vous le remarquez légèrement sur la droite, c'est plutôt un détail sympa. Et on est surtout sur le circuit de Suzuka, qui va nous intéresser pour l'ensemble... J'ai freiné trop tard. Qui va nous intéresser pour l'ensemble du permis, puisque ça va être que ce circuit que nous allons courir pour le permis. Alors là, on va ralentir un peu, mais ce qu'on va essayer de faire, voilà, c'est le dépasser à l'intérieur comme ça, et réaccélérer, malheureusement ça ne passe pas. Donc on va faire recommencer à nouveau. Je vous montre encore 2-3 tentatives, et puis après on passe directement aux deux dernières étapes. Mais en gros, ce sont des bouts de secteur où il faut faire les meilleurs temps. Là par exemple, on est passé. Alors j'ai compris comment il fallait faire, hein, bien évidemment, pour réussir cette étape. Il faut que je le fasse en moins de 20 secondes, normalement ça devrait passer. C'est bon, on a réussi. Mais pour dépasser, c'est vraiment compliqué, parce que comme je vous l'ai dit, à peine on va toucher légèrement l'IA, bah en fait c'est considéré comme échec, donc c'est vraiment difficile, surtout qu'on doit passer à des endroits qui sont des trous de souris. Là par exemple, c'est l'épingle de... Pardon, c'est la chicane de Suzuka. Mais il y en a la même, quelques étapes plus tard. Il va falloir dépasser dans les deux premiers virages. Et là c'est pareil. Enfin, sincèrement, moi j'ai pas réussi. Donc là on va tenter directement les deux derniers. Ou plutôt les trois derniers. Donc pour là on a une petite portion à faire. J'espère que c'est pas un dépassement s'il vous plaît. Sinon on en a pour 1h30. Mais je sais pas pourquoi je sens que ça va être un dépassement. Encore se faire avoir à ce niveau là. Non c'est bon. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit... ça. Donc les graphismes sont plutôt corrects, je trouve les roues bizarrement dessinées, mais ça va, c'est pas trop choquant. Alors attention, le 140R, on peut pas le prendre à fond dans le jeu, voilà, va falloir en tirer un peu. Les vibreurs, c'est des purges, c'est-à-dire que si vous prenez les vibreurs légèrement dans un virage, un petit peu en tournant en même temps, je me suis complètement loupé, et bien vous allez partir en tête à queue instantanément. Ce qui est réaliste en soi, le jeu se veut de toute façon réaliste. Il est un petit peu, mais il y a des choses qui vont gâcher totalement ce réalisme. Bon, déjà, vous vous rendez compte qu'il y a une petite ligne verte, voilà, qui passe en ligne rouge et qui repasse en ligne verte sur le tracé. C'est tout simplement ben, l'indication de savoir à quel moment il faut freiner, à quel moment il faut pas se foirer comme là, par exemple. Je fais n'importe quoi. Le fait de parler en même temps, c'est pas évident. Mais ça nous aide un petit peu sur les trajectoires à adopter et la vitesse à prendre dans chaque virage. Petit détail sympa, regardez le volant, quand on va passer les vitesses, eh ben les mains du pilote vont bouger et vont donc enclencher la vitesse. C'est un petit détail que j'ai pas eu tout de suite, mais qui franchement est plutôt bien rendu, décidément. J'ai pas réussi à prendre cette chicane, je l'ai pris 45 fois, j'ai pas réussi. C'est un petit détail plutôt sympa. Au niveau des reflets, c'est un bitmap qui tourne sous 360 degrés, donc c'est ce qu'il faisait à l'époque. Il y a quelques reflets en temps réel, comme vous pouvez le voir là par exemple, quand on est passé sous l'objet, on a eu l'ombre qui s'est créée sur la voiture. Donc c'est un petit peu un mélange. Bon, il y a eu des jeux qui étaient beaucoup mieux faits à ce niveau-là, mais là on est quand même sur PS2, hein, faut pas non plus déconner. Et là je me suis loupé à la réaccélération, donc je pense que je vais perdre un peu de temps. Faut que je fasse 30 secondes. Ça m'a l'air ok pour passer, je pense, le test. Ouais, c'est bon, 26 secondes, c'est passé. Donc là, par exemple, c'était pas un truc spécialement difficile. Bon, je me suis loupé plusieurs fois, mais c'est largement faisable. Voilà. On va donc passer aux deux dernières parties du permis, qui j'espère ne seront pas trop compliquées. Je vous dis, je voulais vous éviter de vous taper des die and retry pendant 30 minutes. Si on peut avancer, ça serait vraiment bien, sincèrement, parce que là, je... voilà. J'aimerais enfin avoir autre chose, par exemple une course, bêtement une course. Bon, on est à 300 km/h, on va essayer de prendre le premier virage, voilà. Il y a quelque chose de très bizarre dans le maniement, aussi, vous allez vous en rendre compte assez vite. Le jeu a tendance à accélérer ou freiner en plein virage. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train d'accélérer par exemple en sortie de virage. Vous voyez que ça n'accélère pas, que la voiture met 2 heures à prendre du grip. Et puis d'un coup, boum, elle accélère. Et du coup, vous vous sortez. C'est un truc que je ne comprends pas. Qui pourtant, bah, malheureusement... comment vous expliquer? Non, j'ai perdu. Ah, il va falloir que je recommence. Bon là, par contre, il va falloir que je me concentre vraiment. Parce que si on n'arrive pas, on n'y arrivera jamais. Faut que je fasse le tour entier du circuit.
Sachant qu'il va falloir faire le tour aussi anti du tracé sous la pluie. Et la pluie, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je pense qu'une 48 est un temps exploitable, un temps faisable, pardon. On va voir. J'essaie de me concentrer. Je vais me taire un petit peu aussi. Pour faire écouter le son merveilleux de cette voiture. Ironie gardée. Elle est en croisé droit pour réussir à finir ce tour en moins de 1 48. Allez, il ne reste plus que chicane à passer. Voilà. Ouais, 20 secondes, ça devrait être largement bon. On devrait avoir réussi notre objectif. Et on est à demi. Alors oui, quelque chose qui est étrange. Vous avez vu le chrono, il restait à peu près 10-12 secondes pour pouvoir réussir, d'après le chrono. Mais, si on regarde le temps qu'on a fait réellement, bah en fait, on était vachement plus proche de louper le temps. Enfin, c'est totalement bizarre. Il y a un truc qui est vraiment en particulier. On a un mode ralenti, d'ailleurs, je vous montrerai vite fait. Voilà, donc on peut voir la course. Alors bizarrement, vous allez vous rendre compte d'un détail. Vous n'avez pas l'impression qu'on le prend légèrement plus vite, le virage, que quand on est en mode réel. Voilà, ça c'est un détail qui m'a un petit peu choqué. C'est quand vous voyez le replay, vous avez l'impression que tout se passe bien, tout est super rapide, mais en fait, quand vous êtes en jeu, on est beaucoup plus lent. Allez, on va faire quitter. Et on va faire donc la dernière... dernière manche, je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de recommencer tout à zéro. Donc on va faire la dernière manche qui termine. Oui, je vais sauvegarder. Ah non, pas le ralenti. Oui, pardon. Voilà. On va faire sauvegarder ici, voilà. Voilà, on va enregistrer. Le menu est très très sobre, très très sommaire, c'est un petit peu dommage, ça manque un peu de fantaisie, mais... c'est vraiment pas le plus intéressant dans un jeu de toute façon. Dans un jeu de Formule 1, ce qui nous attend, c'est un petit peu de plaisir quand même. Une difficulté qui soit correcte, une bonne IA, une magnanimité qui soit correcte, des graphismes bien, enfin voilà. Et là, il pleut. On voit qu'on a chaussé les pneus pluie. Je n'ai jamais tenté la pluie de ma vie. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis censé finir le circuit en 1:50. Ok, on va tenter. En tout cas, la pluie, ma foi, m'a l'air pas trop mal rendue. Ok, donc on continue pour le moment. Pour qu'on soit plus lent, ça m'étonne pas, hein. Parce que là, c'est logique. Et on est parti en tête à queue. Aïe, donc du coup, j'aurais pas dû mettre ralenti, je vais faire recommencer. Ok, c'est pas grave, c'est une petite première tentative. On peut se tromper. On peut faire des erreurs, on a déjà réussi à passer quasiment le premier secteur sans se vilotrer, donc petit exploit en soi quand même. Il va falloir juste éviter d'accélérer trop fort en sortie de virage, et surtout sur les côtés des vibreurs. Voilà, on fait attention à la réaccélération, nickel, attention, on est en mode rouge. On est en code rouge, on fait attention, attention aux vibreurs. Les vibreurs, c'est vraiment le pire dans ce jeu. Oui, d'un coup, on réaccélère, alors qu'il faut freiner un peu plus, voilà. Allez, on prend la vitesse encore. On va arriver à l'épingle. L'effet de pluie, l'effet bruit de pluie est quand même pas mal.
J'ai pas trop vu les projections, mais elles m'ont l'air plutôt correctes aussi. Même si c'est un petit peu limité quand même, normalement il s'en sert beaucoup plus de projections. On va faire attention ici. Ici il faut vraiment faire gaffe, voilà. Ok, on réaccélère, c'est parfait. Bon, le 131 à 300, il fallait pas rêver non plus. Il nous reste 6 secondes pour passer. 52, 53, 54, 55. Et j'ai perdu pour 5 dixièmes. Oh, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Ah, c'est dommage, on s'était plutôt pas mal sorti. Allez, on peut y arriver. Ah non, là par contre, ouais. On est d'accord. On est allé un peu trop vite. Ah, la chicane de fin, pourtant, je l'ai bien prise. Ah, mais là, c'est pareil. Si je vais sur les vibreurs, on est sûr de se planter. Ah! Et ouais, le vibreur m'a amené complètement sur l'extérieur. Ah, je suis presque déçu d'avoir échoué en fait à la première tentative parce qu'on était quand même pas mal. Non, on est parti en tête à queue. On va recommencer à nouveau. Allez, concentration. Et ça passe pas à nouveau. Bon, faut que je me dise que c'est pas au premier virage que tout va se jouer. Non, 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 non. Bon, on va quand même voir ce que ça donne avec un tête à queue, on sait jamais. En plus, ça me permettra de m'entraîner pour la deuxième section. De toute façon, j'aurais pas réussi. Bon, mais on va recommencer, hein. Allez, j'espère que vous êtes toujours pas parti. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que je n'y arriverai pas. Je sais pas, je fais plus d'erreurs que la première fois, c'est incroyable quand même.
Allez, come on, là. Il faut quand même que je puisse y arriver. Je sais, j'arrive même pas à prendre les trois premiers virages. Même pas la peine, hein. On va essayer. Ah, il s'agit juste de faire un tour sur la pluie, hein. Je veux dire, c'est pas non plus... Je veux dire, des tours sur la pluie en F1, on en a fait des milliards. Je pense par exemple à Grand Prix 4, en tout cas sur la chaîne. En plus, c'était vraiment pas facile. Allez. Ok. Oh non, 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 pas maintenant. Pas maintenant. Allez, voilà, on recommence. Ah, vous avez vu le pic de difficulté quand même, hein. Là, on a passé un cran. Heureusement qu'on est qu'à 23 minutes de vidéo. Sinon j'aurais déjà arrêté, je crois. Alors. Bon, en tout cas, dites-vous quelque chose. Si vous voulez faire des courses sur ce tracé... Ouais, je fais n'importe quoi. Si vous voulez faire des courses, en tout cas une carrière dans ce jeu, accrochez-vous. Il y a bien un moment où ça va passer quand même. Non, mais regardez, même là, je suis à 2 à l'heure, je peux en tête à queue, c'est incroyable. Le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai réussi à passer, enfin, j'ai réussi à finir le tour, sans me planter, mais j'étais déjà au maximum. Je sais même pas où je vais gagner du temps en fait. Et surtout que j'ai tellement peur de me planter maintenant que bah concrètement je freine partout. Et moi à la base j'étais censé vous montrer le jeu. Donc rester bloqué là, ça m'intéresse pas spécialement plus que vous. Que j'aimerais bien bah, vous montrer autre chose. Allez, on se concentre. On oublie les vibreurs. On oublie les vibreurs. Ça marche pas les vibreurs. Voilà. Oh là là, je suis à l'arrêt. J'ai essayé de ne pas me prendre les vibreurs à la fin et c'était compliqué. Allez. Et encore une fois, je pars en tête à queue au mauvais endroit. Vous allez comprendre que j'ai toujours les mêmes erreurs en fait, c'est surtout ça que vous allez commencer à intégrer. Si je suis quelqu'un qui fait 150 fois la même bêtise. Je sais qu'il faut pas que je fasse ça, bah je vais le faire 150 fois quand même. Voilà, là par exemple. Non, ça va, c'est passé, donc j'ai pas fait recommencer. Et voilà, vibreur. Vibreur, vibreur, encore vibreur. J'aurais beau me dire 35 fois qu'il faut pas que je prenne les vibreurs, je vais quand même aller sur les vibreurs. Et je pense que ça va être encore pareil là. Hein. Allez, 27 minutes. On va y arriver. Ne perdons pas l'espoir.
On l'a plutôt bien passé cette fois-ci, cette partie-là. Pas le vibreur, on a dit, voilà. Voilà, on freine, on accélère, on freine. Ouais, là, c'est pas mal. Là, on est vraiment en avance, par contre, par rapport à tout à l'heure. Voilà, on prend la chicane, on réaccélère bien. Enfin, l'hyping, pardon. Ouais, là, il va falloir freiner très tôt. Ok. Le 130R maintenant. Et la chicane. Pour laquelle je vais prendre mon temps pour freiner, voilà, et prendre comme il faut. Et la réaccélération, les faits que ça passe, il reste 12 secondes. 50, 51, 52, 53, on a réussi! Oh là, je suis trop content. On a enfin réussi. Ah, c'était pas facile. On l'aurait compris. Bon, ben voilà, on a enfin réussi. Ce satané permis, on va pouvoir enfin passer à la suite. Une demi-heure quasiment, mais magnifique. Une demi-heure sera permis. Félicitations. Vous terminez avec succès le stage de pilotage. Championnat de course complète sera désormais accessible. Non, on va pas sauvegarder, oui. Par contre, je vais sauvegarder le jeu, oui. Parce que là, par contre, il y a aucune chance que je refasse ça. Voilà. Donc c'est parti. On va revenir en arrière, oui. Ok. Alors, donc on a débloqué, même pas tous les modes, on a débloqué le mode championnat, le mode course complète. On va faire une petite course complète, on va voir ce qu'on a un peu. On va prendre une autre voiture, on va prendre par exemple la Elite Turbotech avec James Tinelli et Hans Finman. Je pense que c'est Heidfeld et Trulli. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est pareil. Alors, on va voir les circuits que l'on a. On a la Nouvelle-Zélande, on a la Colombie, le Liechtenstein, on a l'Irlande, le Maroc, la Slovaquie, l'Islande, je savais pas qu'ils avaient un circuit, Luxembourg, Slovénie, Pologne, Roumanie, Suisse, la Grèce, le Mexique, la Corée et l'Inde. C'est une blague. Ils ont réussi à prendre aucun circuit quasiment, il y a un circuit en vrai. Je sais pas quoi dire là. Alors, si on est malin. Ok. Si on est malin, j'ai compris. Ça va être Melbourne. Ça va être le Brésil. Ça va être San Marin. Ça va être. Je sais pas. Ça non plus. Allez, on parie là-dessus. Pour moi, Nouvelle-Zélande, c'est Melbourne. Météo, nuageux, pluvieux, aléatoire. On va garder soleil pour le moment. On va mettre une longueur de 10%. Difficulté, on va se mettre en pro. Dégâts moyens, je vais quand même voir ce que ça donne. Règle des 107%, on s'en fiche. Ça c'est bon. Et au niveau de la voiture, on va mettre sans ABS, sans antidérapage. Alors on va mettre Non, on va garder l'ABS. Freinage auto, on va mettre 100. Et l'ABS, on va le garder. Et on va voir ce qui se passe. Là c'est marrant Nouvelle-Zélande parce que j'ai l'impression de voir le premier virage du Grand Prix de Suzuka, mais bon. Parce que je me suis complètement gouré. On va mettre la qualification, on va mettre automatique. Et on va voir comment ça se passe. Donc évidemment c'est un jeu sans licence, donc bah, il va falloir s'imaginer être en Formule 1, puisque j'imagine que c'est le but du jeu. Parce que les Formule 1 ressemblent beaucoup à un mélange entre du kart et de la Formule 1. La séance officielle de qualification commence. Ces temps vont déterminer la place de chacun sur la grille de départ. Et on a un spotter. C'est pas génial tout ça. Donc on a le... Ok, on a un classement des qualifications. On va faire départ. Alors dans le garage, on peut faire quoi? Attendez. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que dans le garage, on peut faire des réglages pour la voiture? Ça serait intéressant de savoir. Ouh, regardez! On peut régler. On peut changer les pneus. On a le carburant, la direction. Alors je dirais bien que j'ai envie de laisser tout par défaut, mais bon, on va se mettre des ailerons quand même.
Death Maximum qui baisse, mais ça c'est pas trop grave. À l'arrière, on va baisser, on va mettre un peu d'aileron. Voilà. Par contre, j'ai bien envie d'en mettre plein à l'avant. Parallélisme, carrossage, mode de vitesse, ok. Pas de soucis, on va faire. Bah, ok. Ça c'est pour sauvegarder. On va faire retour. Et on va revenir à la piste. Alors c'est dommage par contre, c'est que bah juste pour changer des réglages c'est quand même super long. On se tape quand même deux chargements. Ça aurait été intéressant que le jeu, les réglages soient gérés directement quand on est en piste. C'est dommage, enfin en piste dans les stands. Là c'est un petit peu relou quoi. Alors je ne fais rien, ça démarre automatiquement. Je ne touche rien. Et est-ce que j'aurais eu raison? Est-ce que le Grand Prix de Nouvelle-Zélande serait le Grand Prix de Melbourne? Mais exactement, regardez-moi ça. Oh là là là, mais qu'est-ce que ce fut prévisible. Bon, par contre, ok, ça l'était pas, par contre, je suis d'accord avec vous. Ok, donc là, on n'a pas l'antidérapage. Donc, on va voir ce que ça donne sans antidérapage. Bah, pour l'instant, ça donne que bah, je suis une grosse merde. On va donc démarrer. Ok, c'est parti. On va faire attention. On a un petit panneau en haut à gauche qui a l'air sympa. On peut voir notre véhicule sur la piste. Bon, j'ai mis l'ABS, donc normalement ça devrait être bon. On va voir leur accélération là, si on part instantanément. Non, ça change rien. Et j'ai le même défaut qu'en qualification, qu'en entraînement. C'est-à-dire que la voiture a des coups d'arrêt, on ne sait pas pourquoi, dans les virages elle est très très lente, puis d'un coup on va se mettre à accélérer. J'ai même quelques lags d'empêche sur le jeu. Regardez, là je pars longtemps en tête à queue. On va revenir en piste. Alors là par contre, quand le jeu parle de simulation, je veux bien les croire un peu quand même. Parce que regardez ça, typiquement, c'est une réaction normale. On accélère trop en courbe, on part en tête à queue, il n'y a pas l'anti-dérapage. Et ben là je vous dis concrètement, oui, c'est vrai. Ça se passe comme ça, et là c'est pareil. Là par contre j'ai l'impression d'être sur un jeu sur PC simulation, rien à dire. Good job, hein, j'ai envie de dire. Vous avez réussi à rendre le jeu ultra compliqué et à la fois du coup qui va rebuter 90% des gens qui jouent sous console. Ok, j'ai compris. Donc en fait, si on n'est pas sur la trajectoire, ça freine automatiquement. Je n'ai pas touché le frein une seule fois, ça freine automatiquement. Donc on va faire les aides au pilotage, on va mettre ABS, on va mettre 100. 100, on a l'antidérapage, freinage auto 100, et pourtant même sans freinage auto, bah écoutez c'est pareil. On peut changer la vibration, on a mis forte, voilà, on a regardé comme ça. Là je vais remettre j'ai enlevé l'ABS, mais je vais remettre l'antidérapage, parce que je veux bien que ce soit une simulation, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, chacun y trouvera son compte au moins. Mais je vais voir si le jeu est intéressant quand même pour quelqu'un qui va pas vouloir aller plus loin. Il y avait l'antipatine, d'accord avec moi. Et je veux savoir si ça sera exploitable pour un noob qui découvre le jeu comme moi, et ben on va voir. Ok, je viens de comprendre. On va mettre toutes les aides. Ouh. Vous avez raison, vous pouvez gueuler. Mais en attendant, dites-vous que moi, je fais l'effort à la limite d'aller plus loin dans ce jeu. Mais que 90% des gens ne le feront pas. Donc on va laisser comme ça. Je suis encore parti en tête à queue là. Combien de fois je suis parti en tête à queue depuis tout à l'heure? Bonne dizaine de fois. Bon écoutez, on va essayer de se concentrer. On va essayer de faire un tour normal. J'ai l'impression que la voiture tangue un petit peu. Vous avez vu à combien je suis bridé? 546 km/h. La voiture ralentit d'un coup, la voiture accélère. Voilà, bon ça par exemple c'est criminel. Sincèrement, un niveau d'assistance totalement aléatoire sur la caisse, je ne comprends pas. Alors, on va casser la voiture, c'est pas trop grave. On va revenir au stand. On va refaire départ. Et on va repartir. Alors peut-être que j'ai pris une voiture qui n'était pas très contrôlable aussi, hein, c'est possible, mais je n'ai vu aucune statistique à ce niveau-là. Le fait que j'ai de l'essence, peut-être ça n'aide pas. Est-ce qu'il faut peut-être faire chauffer les pneus? J'accélère en fond. D'un coup ça accélère. Voilà, là d'un coup ça accélère.
Ça n'accélère plus d'un coup. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. 140, c'est pas du tout. C'est pas du tout bon, donc on va se mettre en arrêt au stand. On va faire garage directement. Et on va voir si c'est les réglages de la voiture, hein, si ça se trouve, ça donne là. Mais 747, en accélérant à fond, en étant bridé à ce niveau-là, il y a quelque chose qui cloche. Cloche qui cloche complètement. Donc on va être par défaut. Ça se trouve, hein, ça mène là. Je ne vais pas critiquer le jeu. On va aller jusqu'au bout. Et on verra à la fin si c'était vraiment de la merde ou pas. Mais pour l'instant, je ne toucherai rien. On va faire par défaut. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. On va faire retour. Et on va reprendre avec ces réglages là. En espérant que ça soit plus facile. Pour le moment, en tout cas, je ne vois aucune différence. Et ce qui est bizarre quand même, c'est que je prenais mieux les virages en fait à Suzuka. Alors à nouveau, est-ce que c'est peut-être que les pneus sont pas chauds, mais je vois aucune chauffe des pneus en fait dans le jeu. Aucune mention de ça, donc c'est dommage. En tout cas, les sons sont corrects. Les graphiques sont plutôt bons aussi. Ils sont pas exceptionnels, on est d'accord, mais ils sont quand même très potables. Hein, regardez, franchement, on dirait un jeu de PC de l'an 2000. En 2000, voilà, 2-3 ans en arrière. C'est quand même pas mal. Bon, je vais quand même essayer de bien prendre mon virage. Mais voilà, ça c'est le truc que je ne comprends pas et qui pour moi casse le jeu à 100%. C'est ses réactions. J'accélère à fond, ça doit accélérer à fond. J'accélère pas à fond, ça accélère pas à fond. Je freine, ça freine, ça pile. Mais regardez dans les virages. Regardez, là je tourne. Là j'accélère à fond. Là je freine. Là j'accélère pas. Là j'accélère. Je suis à fond. T'as vu, là j'étais à fond. Alors soit la boîte de vitesse est pas du tout réglée. C'est peut-être le cas. Et maintenant j'ai réussi à passer à la sixième, donc pourquoi pas. Le jeu freine dans les virages. Alors moi je ne freine pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, concrètement, le plaisir de jeu qui devait être quand même pas trop mal, hein, honnêtement, quand on était en course. En mode permis, je vais appeler ça le mode permis, hein, je suis désolé. Et bien on s'amusait beaucoup plus, quand même. Ça avait beau être difficile, c'était quand même pas aussi bizarre que ça. Regardez, j'accélère à fond, d'un coup ça va accélérer, d'un coup ça va freiner. Je ne comprends pas. On a désactivé les aides en tout cas à ce niveau-là. Alors, pole position perdue. Je veux bien, hein, y a pas de souci, mec, mais qu'est-ce que ça veut dire pole position perdue? On va faire start, on va faire un dernier tour. Puis enfin, on fera une course, hein. C'est quand même pour ça que vous êtes là. Voir une course sur ce jeu. Bon, je me suis loupé, donc c'est pas grave, on va faire quitter. Voilà, donc le meilleur temps en 1:31. Les écarts m'ont l'air, ma foi, très corrects. Bon, un des pilotes sont un petit peu loin. En 1:4, 1:5. Heureusement, on n'a pas mis les 107%, sinon on n'aurait pas été qualifié. On va faire chargement du menu. On va faire directement la course pour voir comment se comporte l'IA. Parce que je vais pas vous mentir, avant de essayer ce jeu, j'ai quand même vu une demi-vidéo. Et je veux voir si c'est vraiment ça. Sans vous spoiler. Ou est-ce que c'est juste le mec qui a fait la vidéo, hein, voilà. Donc je vous dirai après si c'était ce cas ou pas. On est déjà à 41 minutes, on n'a même pas fait une course, on commence à peine une course. C'est une duper tout ça. Petite présentation des circuits. La course dans les Zélandes est la première de la saison. Après des heures d'essayant, les monoplaces participent là, pour la première fois de l'année, à une véritable course. Ah bah votre 40 minutes, fallait bien. Alors, je vais voir ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'ils vont nous montrer le tracé, premier virage? Ok. Bon, enfin, c'est le tracé. À l'arrivée du premier virage à droite, voilà. On va faire start, on va passer. Mais c'est pas mal, ils nous présentent le circuit. Pourquoi pas, hein. La météo annonce du soleil pour toute la journée. On a des mécanos autour de la voiture, on a une grid girl. Donc on va partir d'année, il prépare la bagnole. On a les... Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir un bout de Benetton et l'avant d'une Arrows, c'est un peu bizarre.
On dirait un peu la méthode de 94 mélangée. J'ai pas l'impression qu'on peut changer les noms aussi. Ça aurait pu être sympa de pouvoir les changer, comme c'était le cas par exemple sur Monaco Grand Prix Simulation, ou même la série des Grand Prix 3, Grand Prix 2, Grand Prix 4, etc. Et même dans Formule 1 97 et les moteurs 98. vrombissent. Les feux s'allument. Partez. Allez, c'est parti. On a fait un départ très très moyen. Oula, alors attendez, devant ça va à 2 à l'heure. Ok, donc déjà de base, je peux vous dire que, attention, c'est exactement comme ça que j'avais vu le jeu avant. C'est en gros une IA qui tourne pas, quoi, qui au ralenti. Et dès le départ, on Prochaine. s'approche un petit peu. Attention, il y a un drapeau jaune. Quand je l'ai vu derrière. Bon, j'ai légèrement volé ma suspension, du coup la voiture tourne légèrement. Allez, on a encore touché. Et on est combien? On est 7ème sur 22. On va essayer donc de rattraper le pilote devant nous. L'IA qui est quand même vraiment, mais alors vraiment au ralenti. C'est quand même bizarre, on a l'impression presque qu'on est dans un tour de chauffe. Oh que non, ça va, il commence à prendre de l'air un peu devant. On va le dépasser par l'intérieur, non, enfin, par l'extérieur, pardon, c'est pas passé. On va peut-être profiter de l'aspiration du coup. Ouais, nickel, c'est passé. Attention, le pif paf gauche-droite. Et la réaccélération. Ok, donc là pour l'instant on est sixième, on va voir si c'est facile ou pas. Oh, regardez dans le virage à quelle vitesse ils prennent. Ils sont mais vraiment hyper lent, hein. Je veux pas balancer. Alors on est en mode normal, donc peut-être que j'aurais dû prendre le mode difficile. On essaiera peut-être tout à l'heure de faire le mode difficile, juste après ça. Voir s'il y a vraiment un gap, parce que là on est en mode normal, donc effectivement ils sont pas très rapides. Bon, en tout cas le spotter a l'air sympa, il nous donne des petites informations rapides et il nous encourage. Aïe, ça c'est cool. Et là encore une fois, vous voyez, non, là franchement par exemple, les voitures sont trop lentes. Elles auraient dû être beaucoup plus rapides que ça. Ouf. Ouais, là par contre c'est moi. Oh là, ça c'est moi qui suis une con. Drapeau jaune. Alors drapeau jaune, ça ne change rien puisque j'ai pas activé les drapeaux. Mais j'imagine qu'on devrait pas pouvoir dépasser à ce moment-là. Alors on va faire un petit start. Je vais quand même voir les options. On a la vibration, le son. Bon, on n'a rien d'autre. Je pensais qu'on pourrait au moins régler l'affichage de ce qu'on a à l'écran. Et pas du tout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de course après. Bon, pour l'instant, je suis un peu à la rue, mais bon, oh, il m'a complètement bouché, comme l'autre que tout à l'heure. Non, le freinage passera pas. Si, c'est bon, on a réussi à l'intérieur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est désagréable cette façon de tourner. Il faut vraiment, là, je peux pas vous expliquer mieux, il faut vraiment que vous essayiez ce jeu pour que vous compreniez en fait cette bizarrerie dans les virages. C'est trop bizarre. Oui, là j'accélère d'un coup, des fois j'accélère pas. Je veux bien que ce soit la boîte de vitesse, hein, je peux le comprendre. Mais il y a quand même. Ah, il y a quand même quelque chose qui va pas, hein. Vraiment. C'est dommage, hein, ça pourrit un peu le jeu. Après, le jeu est pas si mal, hein. Sincèrement, regardez. Bon, l'IA est pas très rapide, on va se retrouver devant alors qu'on est. On est parti dernier et qu'on est. On est parti dernier, donc c'est quand même un peu exagéré. Et je pars en tête à queue légèrement. Ouais, donc pour l'instant on est devant. Bon, écoutez, on va faire start, on va changer, on va faire quitter. Alors je suis un peu bête parce que j'aurais peut-être pu vous montrer du coup s'il y avait une petite vidéo quand on gagnait la course, etc. Mais je vais faire quand même vous montrer un peu plus le contenu. Donc on va changer de circuit, changer de voiture, on va mettre le mode difficile niveau de l'IA et on va voir si en course le jeu est bien ou pas. On va faire retour, on va prendre par exemple. Alors Maroc pour moi c'est Monaco. Maroc c'est Monaco. Alors si je voulais trouver Spa-Francorchamps.
Est-ce que pas Francorchamps, ça serait la Suisse? On va mettre soleil, on va mettre expert. On va mettre les dégâts réalistes aussi, tant qu'à faire. La pénalité, on va les enlever, on va les garder comme ça. Ok, donc on va mettre la Suisse. Et on va voir. Si la Suisse, c'est Spa-Francorchamps ou Monza. On va voir. On va voir si c'est vraiment cohérent avec ce que je dis. Est-ce que ça va être vraiment le calendrier de la saison 4... Ouais, 2001. Et c'est Spa-Francorchamps. Bien vu. Donc on va faire Star. C'est le circuit préféré des pilotes. Par contre, c'est scandaleux quand même. D'avoir mis des noms de circuits qui sont des pics, qui ne sont même pas cohérents. Enfin, je sais pas comment ils ont imaginé ça, mais c'était facile. Hein. Il fallait appeler le circuit Trophée Nord-Europe, Trophée Belgique, je sais pas, mais. Ça marchait, hein. Pas besoin de mettre forcément un autre circuit, un autre pic qui a rien à voir. Bon, un petit bug en haut. Alors comment on va se passer le premier virage? J'ai mis des gars réalistes, donc on va voir ce que ça donne. Bon, on va passer par le côté, non? Ça a l'air bien passer par le côté. La voiture bleue, elle m'empêche de dépasser. Vous voyez comme ils sont trop lents. Franchement, ils auraient été en tracteur, ils seraient allés plus vite. Hein. Mais j'ai l'impression que ça s'améliore une fois que voilà, on a passé le premier virage. Allez, c'est parti, on va faire l'eau rouge à fond les ballons, voir si ça passe. Ouais, on est là pour ça. Ok. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, on a pété la suspension et le jeu nous arrête direct. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va recommencer, on va juste faire un autre départ. Mais voilà, donc les dégâts réalistes, c'est réaliste. Je vous l'accorde, le jeu, la voiture a complètement souffert de mon accident. Ouais, on va essayer de se mettre sur la droite. Pourquoi j'ai dit ça? Allez, oh, vas-y, je te pousse, je pense que ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, vas-y, avance. On va aller jusqu'au bout du jeu. Hein. Ah, par contre, ma voiture est morte. Ok, c'est pas grave. C'est moi qui fais n'importe quoi. Bon, allez, là on se calme, on va faire vraiment un joli bug graphique. On va faire normalement. Bon, on va être normal. Les feux s'allument. On va voir quand même qu'on peut voir le pilote depuis l'extérieur. Partez. On va faire doucement. Oh, attention, la voiture sur le côté quand même. Pas trop se faire toucher. Oh mon dieu, on a une voiture dans tout le. Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, c'est bon. On a pu passer. On va passer tout le monde par l'extérieur parce qu'ils sont là tellement lents que de toute façon. Voilà. Allez, c'est parti. On est 15ème sur 22. On a perdu beaucoup de temps sur les leaders, mais c'est pas trop grave. Donc, la montée, ça passe pas. Voilà, il faut ralentir. On va donc redécouvrir et redécouvrir ce circuit de Spa-Francorchamps. Moi j'ai droit à la licence. On va voir comment l'IA se comporte en mode difficile. Est-ce qu'elle est vraiment difficile ou est-ce qu'elle est pas difficile? Bon, sachant qu'évidemment j'ai réactivé les aides, donc de cette manière il y a moyen de rendre le jeu encore plus dur. Là je suis sur l'extérieur. Oh non, ça passe. On va se toucher un tout petit peu, mais c'est bon. On est passé. Alors ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir si les pneus vont s'user pendant la course ou pas. Ça pourrait être une idée. Ouh, je pars en tête à queue. Drapeau jaune. Bon, les IA ralentissent derrière, donc c'est pas mal. Bon, les IA, à part le fait qu'elles soient lentes, sont quand même... Enfin, elles sont lentes. Dans certains virages, elles sont quand même assez cohérentes. À part pour le départ de la course. En fait, on a, voilà, je sais comment vous décrire l'effet. On a le même effet que Grand Prix 4 ou Grand Prix 3 quand vous êtes au clavier ou à la manette.
T'as qu'en gros dans les virages, bah des fois ça tourne bien, des fois ça tourne pas bien, et vous rajoutez à cet effet là, tu es tout droit. Vous rajoutez à cet effet là le fait qu'elle accélère ou elle accélère pas bien aussi. Il y a encore un drapeau jaune. Parce que les voitures du début sont toujours restées sur la piste. Non. Vous êtes 16ème, plus vite. Plus vite ? Enfin je veux dire, voilà quoi. Plus vite ? Attends mais... T'es un pilote de Formule 1 et t'es même pas fichu de gagner la course. Non mais allô quoi. Pardon, désolé, ça m'a... tellement fait penser à ça. Bon, ben voilà, donc là l'IA est quand même un peu plus forte, on s'en rend compte, donc c'est pas mal. Je pense que si je pilote bien, je peux quand même gagner la course, mais bon là, avec 4 tours à faire, ça va être un peu juste. On a les écarts qui s'affichent, je passe totalement à l'extérieur. Bon, écoutez, pas si mal que ça ce jeu, mais bon. Voilà, trop de choses, encore une fois, rédhibitoires pour en faire un jeu. De toute façon, si le jeu avait été si bon que ça, ça ferait longtemps que tout le monde y jouerait. Et je pense que les notes ont été plus élevées. Pour l'instant, moi, je ne veux pas lui donner plus qu'un 12. Parce que même s'il y a des parties qui sont très très réalistes, d'autres le sont pas du tout. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Je le quitte pas de licence, je vais pas lui en faire rigueur. Au contraire, c'est pas trop grave. Non, mais au niveau du maniement et du plaisir de jeu, on commence à y arriver. Mais voilà, là par exemple, genre en tête à queue est totalement réaliste. Voilà pourquoi je mets quand même pas une mauvaise note. L'IA est correcte. Part au départ. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein. Sincèrement, les sons sont moyens, les graphismes sont bien. Et pas d'effet qui coule à la con, vraiment c'est pas mal. Les circuits, ben finalement on a tous les circuits de Formule 1. Si on oublie qu'on n'a pas les vraies voitures, ben, vous pouvez faire votre championnat tranquillement, vous avez des paramètres de course, vous pouvez régler la voiture. Franchement le jeu est plutôt complet quoi. Là je pars complètement. On t'attaque, on a encore pété quelque chose, on va faire un gros carton. Boum! Et là on va repartir. On était censé être en dégâts réalistes, monsieur. Ah, on a pété les ronds. Écoute, on va rentrer au stand. On va rentrer au stand, hein, tant qu'à faire. Oula, 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 non, la rentrée au stand, c'est là. Ouh, attention, j'ai pu me faire complètement rentrer dedans. Et du coup, là on est bridé. Alors voilà, ça c'est pas mal. On arrive au stand, je peux changer les deux ailerons. On va changer l'avant, tout simplement. On va garder les pneus tendres. Donc je pense qu'à l'usure des pneus, si on a des pneus tendres et durs, logiquement, il y a une différence. On va garder le carburant et on va valider. Et du coup, bah là, je vais pouvoir faire mes réglages tranquillement. Enfin, ils ont déjà été faits. Et je pense qu'il y a des reflets en... On a 22ème plus vite. Regardez, on a un joli quand même... Eh, franchement, c'est joli. Non, non, sincèrement, c'est quand même pas mal. Bel arrêt au stand, c'est plutôt réaliste. Ouais, et là, on repart. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, on va faire start. Il est 55 minutes. On va faire un dernier petit circuit. Histoire de... De toute façon, je pourrais pas vous montrer le mode défi, le mode dépassement, parce qu'on n'a pas débloqué ces modes. Je pense qu'en 4 minutes, on a le moyen de voir encore un ou deux trucs. Enfin, au moins un truc. En Suzuka, on l'a déjà vu. On va mettre Monaco, qui pour moi devrait être... Ça devrait être le Maroc pour moi. J'espère ne pas me tromper. Regardez comme ça. On va mettre évidemment la course. Alors j'ai pas choisi ma voiture, j'aurais dû en changer, mais bon c'est pas grave, on va se contenter de ça. J'essaie de faire un peu vite, on a tellement perdu de temps pour les permis. Mais je pense que ce jeu vaut bien une vidéo d'une heure, sincèrement. Il y a un effort de fait quand même. Et malheureusement c'était Catalogne. Bon c'est pas grave, hein. On va faire start. On va quand même démarrer. La météo annonce du soleil pour... Ok. Tous les moteurs vont bis. Les feux s'allument, partez. Alors, est-ce que sur une ligne droite plate ça se passe bien ou est-ce que l'IA est quand même trop lente? Bon, à mon avis, il va y avoir un énorme ralentissement devant. Hop, 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 bon, je suis passé complètement à l'extérieur. Attention, on s'est touché légèrement. Alors évidemment, là, je n'ai aucun réglage, hein, donc ça se trouve, c'est pas du tout les bons réglages pour se tracer. Drapeau jaune. Aïe, aïe, on a tout pété, là. On va essayer de repartir.
Alors autant on a l'effet de poussière sur les pneus, autant les pneus ne se salissent pas, hein, vous l'aurez remarqué. Alors on va essayer de prendre ce virage là. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Oh attention, j'ai cru le vibrer légèrement, la réaccélération, ça doit bien se passer. Ouais, on est passé, nickel. On va dire que ce sera une arrose, ça a été une arrose qu'on va dépasser. Ouais, on a cette vue aussi, on va garder cette vue, hein, y a rien à faire, je trouve que c'est quand même la mieux. Alors c'est dommage qu'on ait pas une vue cockpit entière, mais comme ça là est plutôt bien faite. On va dire que ça compense un tout petit peu. Alors c'est l'ancien tracé évidemment, toujours. Bon, c'est passé, mais je pense qu'à la réaccélération, le numéro dépassé, non c'est... Alors, est-ce que l'IA est intelligente ou pas du tout? Ah non, il va freiner beaucoup plus avant moi. On va essayer de pas partir en tête à queue comme tout à l'heure ici. Oh, c'est compliqué. Oh, l'accrochage! Oh là là, on est parti avec le pilote. Mais finalement, ça s'est bien passé. On a failli partir devant lui, hein. Enfin au-dessus de lui. On a failli décoller. Finalement, ça n'a pas été le cas. Bon, au niveau de l'aileron, ça va, on n'a pas trop cassé l'aileron. Je remarque aussi un petit peu le travail de suspension qui est plutôt bien rendu. Et là, je vais vous dire, je commence à prendre du plaisir, sincèrement, à jouer à ce jeu. Donc, il faut se forcer, hein, je vous le dis, je vais vous le dire encore une fois. Il y a des jeux où malheureusement, ils ne payent pas de mine, mais peut-être que si on va un peu plus loin, eh ben, on peut trouver quand même quelques parties sympas. Comme c'est le cas maintenant. Voilà, on va essayer de le dépasser dans la ligne droite, lui. Attention. Oh bah là, on a touché légèrement. C'est Bonnie Brasco qui a fait le meilleur temps. Pour sa Galileo à moteur je sais plus quoi. Et je suis parti à la faute. Allez, on a tapé le mur légèrement. Alors c'est dommage parce que je peux pas voir vraiment devant moi, enfin l'avant de la voiture. C'est pas grave. On va faire start, on va faire quitter, tant pis. Dans tous les cas, voilà, donc c'était Racing Simulation 3 sur PlayStation 2, sachant qu'il y a une version PC, qui se trouve est même modable. Ça pourrait être intéressant de voir si ce jeu a pas été un petit peu amélioré sur la version PC. Écoutez, donc on va résumer rapidement. Le jeu est moyen faible. Il y a des choses qui sont très réalistes. Si vous aimez la pure simulation, je pense que vous allez peut-être pouvoir y trouver un petit peu votre compte. Mais... parce que bon, il y a les circuits, il manque les voitures, mais... C'est très difficile. Honnêtement, pour moi, noter ce jeu est très difficile. Je mets 12 parce qu'il ne vaut pas un 10. 10, c'est vraiment un jeu qui est raté. Là, il y a quand même des choses qui sont pas mal. Si vous arrivez à faire fi de l'IA qui est un peu compliquée au premier virage parce qu'elle est très lente... Ça, c'est un gros défaut, mais bon. Que vous avez à faire fi du menu entraînement qui est quand même assez difficile à passer, mais c'est un jeu qui est de simulation, donc dans l'absolu, pourquoi pas. Si vous avez à faire l'abstraction de la pluie qui est très difficile aussi, mais qui n'est pas impossible, vous avez vu, on a quand même réussi. Ce jeu peut être intéressant, mais c'est l'avertissement, c'est-à-dire qu'en gros. Ne vous attendez pas à vous éclater comme dans d'autres jeux, ça va être, il va falloir faire un gros effort pour se prendre au jeu et pour pouvoir prendre du plaisir. Voilà, tout simplement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, c'était un petit peu long, je suis désolé, mais le jeu il fallait vraiment mettre plus de temps pour pouvoir voir un peu tout. Je vais pas redire le titre à nouveau. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est juste que vous auriez voulu qu'on teste et tout, mais malheureusement bah, j'ai pas tout débloqué. Et encore, normalement, si on avait vraiment fait dans l'ordre, la vidéo devrait à peu près... 1h30, 1h3 quart. Donc vous en êtes bien sortis. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.